Je m'appelle Didier Roux, je suis physico-chimiste. Bonjour. Bonjour. Bonjour Didier Roux, merci d'avoir pu répondre présent à cette invitation. On va commencer avec une première question. Donc, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer quels sont vos domaines de recherche, votre métier, comment vous l'exercez ? Je suis un spécialiste des matériaux, de la matière en général. Alors, on appelle ça la matière molle, ce qui n'est pas forcément un très beau mot, mais c'est la matière qui est intermédiaire entre le solide et le liquide, les polymères, les cristaux liquides, les colloïdes, enfin toute cette matière un peu compliquée qui n'est ni solide ni liquide, mais quand même structurée. Personnellement, quand est-ce que vous avez pris conscience qu'on était face à une urgence climatique ? Très tard. En fait, mes recherches n'étaient pas directement liées du tout à cet aspect-là des problématiques scientifiques. C'est en fait lorsque j'ai été ensuite directeur de la recherche et de l'innovation du groupe Saint-Gobain, où on a beaucoup investi, on travaillait beaucoup sur des problématiques d'énergie thermique et de problématiques d'isolation des bâtiments et de les rendre plus efficaces, que j'ai pris conscience effectivement de l'énorme problème que posait l'évolution du climat et l'impact de l'homme sur le climat, et surtout des moyens que l'on pouvait mettre en œuvre pour remédier à ces problèmes. Et à ce moment-là, vous avez ressenti quoi ? De la peur, de la tristesse, ou au contraire, la volonté de changer les choses ? Alors, il y a une vingtaine d'années ou 25 ans, la problématique climatique existait, mais l'urgence climatique telle que vous, les plus jeunes, vous la vivez, n'était pas présente. C'était un problème dont on ne connaissait pas la solution, mais dont on se doutait bien que, soit avec la technologie, soit avec des efforts des sociétés, on pourrait le régler. C'est probablement à l'évolution de ces 20 ou 30 ans que l'on a vu que non seulement on n'était pas capable de le régler, en tout cas pas suffisamment, mais que les discours qui étaient faits autour de ça ne correspondaient pas aux actions qu'il fallait mener. Et là, il est arrivé une sorte de divergence entre le discours et la réalité. La réalité des choses, c'est qu'au bout du compte, peu de choses sont faites et le problème est de plus en plus présent et de plus en plus grave au niveau de l'évolution de la planète. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelles sont les différentes sources d'énergie aujourd'hui et quelles sont les plus vertueuses à l'heure actuelle et les plus nocives ? La problématique, comme vous le savez, vient du fait que, indépendamment des problèmes généraux de l'impact de l'homme sur l'environnement, le climat est relié à l'augmentation de la quantité de CO2, essentiellement émis par la combustion d'énergie fossile. Donc il est évident que si on cherche des énergies vertueuses, on va mettre en priorité celles qui n'émettent pas de CO2. Et là, on tombe sur deux catégories, des énergies non renouvelables qui n'émettent pas de CO2, c'est le cas du nucléaire, ou des énergies renouvelables qui n'émettent pas de CO2, c'est le cas, par exemple, de l'énergie photovoltaïque ou de l'éolien. Alors justement, toujours dans cette optique de l'exploitation d'énergie, il y a l'exploitation de l'énergie nucléaire qui aujourd'hui est au cœur des débats, parce qu'elle présente à la fois des avantages, mais en même temps des inconvénients et des risques. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu plus et approfondir cette notion, s'il vous plaît ? Fondamentalement, il ne faut pas croire qu'il y a une énergie miracle qui ne présente aucun inconvénient. Toutes ont des inconvénients. Alors, le problème, c'est l'acceptabilité par les sociétés de ces inconvénients. Alors, l'énergie nucléaire a deux problèmes qui sont très clairement identifiés. L'un, le risque d'accident, et puis la problématique des déchets nucléaires qui ont des durées de vie très longues avec une radioactivité relativement forte et qu'il faut savoir ou essayer de gérer dans la durée. Par ailleurs, ça a un autre avantage, une énergie extrêmement concentrée qui permet à des coûts extrêmement raisonnables de fabriquer de l'électricité. Eh bien, la France, qui est très spéciale, aujourd'hui a clairement un avantage compétitif parce qu'elle produit de l'énergie électrique sans CO2 et à un coût qui aujourd'hui est compétitif par rapport aux autres moyens de produire de l'énergie. Mais
il faut gérer nos deux inconvénients dont je vous ai parlé tout à l'heure. Selon vous, c'est quand même une énergie à conserver au sein du mix énergétique pour les... Alors, ma conviction sur le très long terme, c'est qu'il faudra abandonner l'énergie nucléaire, mais qu'aujourd'hui, techniquement, il n'y a pas de solution pour un pays comme la France. Il n'y a pas de solution en baissant ou en n'utilisant pas d'émissions de CO2 de faire baisser notre production énergétique sans rester pendant un certain temps avec de l'énergie nucléaire. Pour le coup, il n'y a pas de choix si on met les tout en face. Alors, sauf à partir vers un des grands débats politiques qu'il y a, ce qu'on appelle la décroissance, c'est sûr, si on fait une décroissance profonde, on pourrait évidemment aller vers une production d'énergie décarbonée sans énergie nucléaire. Mais dans ce cas-là, on rentre dans un modèle économique qu'il faut que les citoyens acceptent et où aujourd'hui, de mon point de vue, la plupart des hommes politiques mentent sur la capacité d'adapter la société à cette problématique-là. Ils mentent parce qu'ils ont l'air de dire que ça peut se faire sans douleur. Et je crains que ça ne soit pas le cas. Est-ce que vous croyez plus à la décroissance ou carrément vous parliez aussi que ça ne se ferait pas facilement comme le disent aujourd'hui les politiques? Est-ce que vous pensez à une dictature écologique? On sait qu'il y a de plus en plus de dystopies autour de ça. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, tout le discours vient du fait qu'on a un couplage historique entre la richesse des nations, le fameux PIB, avec la quantité d'énergie que nous utilisons, et couplé du fait qu'une grande partie de l'énergie que nous utilisons vient du CO2, à l'émission de CO2. Effectivement, on se dit, pour faire baisser le CO2, il faut faire baisser la croissance. Si le PIB descend, eh bien, on consommera moins d'énergie, on émettra moins de CO2. Mais vous avez des pays qui ont le même PIB par habitant, qui consomment plus d'énergie. Exemple complètement classique, l'Européen par rapport à l'Américain. Vous avez en gros un facteur 3. Un Américain consomme 3 fois plus d'énergie qu'un Européen. Alors, je ne dis pas qu'il faudra un jour continuer à croître jusqu'à l'infini. Je ne crois pas à la croissance infinie. Bien sûr que non. Mais commençons à être vertueux sur notre façon d'utiliser l'énergie, à l'économiser, sans que ça ait d'impact sur notre niveau de vie. Et il y a de la réserve. Et il y a de la réserve. Vous avez travaillé beaucoup dans le secteur privé. À votre avis, c'est quoi le rôle des entreprises Il y a une conviction qui est évidente. Vouloir, comme le veulent certains hommes politiques, uniquement par des décrets, des lois et des réglementations, faire baisser la quantité de CO2 est une illusion. La seule façon de faire baisser le CO2, c'est que tout le monde s'y mette, y compris et surtout le monde des entreprises. Donc si je vous suis, ce n'est pas contrainte, ça va plutôt être inciter les entreprises? La solution, elle est connue, il n'y en a qu'une, faire payer l'émission de CO2. C'est ce qu'on appelle la taxe carbone. Alors, c'est très compliqué parce qu'il y a une idée générale que la taxe carbone ne peut être que appliquée au niveau mondial d'un coup, ce qui est une idée fausse. On peut le faire au niveau d'un pays. Je rappelle que la Suède a une taxe carbone depuis maintenant plus de 20 ou 30 ans et l'industrie suédoise ne s'est pas écroulée et les Suédois n'ont pas vu complètement diminuer leur niveau de vie. Donc je suis un fort partisan de cette taxe carbone parce que c'est la seule façon de coupler un objectif collectif à une réalité qui est le changement climatique. Alors maintenant, moi j'ai des questions pour vous parce que vous avez 20 ans, donc vous êtes né en quelque sorte avec la prise de conscience populaire, pas scientifique, du changement climatique. Comment vous vous positionnez par rapport aux générations précédentes? Moi, je suis pas pour rentrer dans un conflit de générations. Je trouve que c'est inutile. Oh. De toute façon, le mal est fait, entre guillemets. Donc, il va falloir s'adapter et s'adapter ensemble. Et vous, alors? Personnellement, je suis un peu en colère. Un peu en colère, mais pas contre toutes les générations précédentes. Plus contre, typiquement, les gens de votre âge qui ne croient pas actuellement au réchauffement climatique. Puisqu'en fait, les générations précédentes, enfin, à votre époque, quand vous étiez jeune, tout simplement, le problème, il n'était pas autant urgent qu'aujourd'hui. Donc, on ne peut pas avoir la conscience de ce qui ne se met pas en face de nous. En revanche, quand aujourd'hui, j'entends des discours de personnes de 50, 60 ans qui se disent de toute façon, je m'en fous, moi, ma vie, elle est faite et c'est très bien. Oui, là, ça m'énerve et c'est pour ça que je suis intéressée. Donc, c'est une colère raisonnée et quelque part, je dirais, raisonnable.
Bon, et toi ? Pour moi, les générations précédentes, on ne peut pas leur reprocher dans la mesure où elles ont vécu dans un système libéral au sein duquel la société de consommation s'est développée au maximum et où on incitait tout individu à consommer. C'était pas facile pour ces générations-là de se dire « Non, il faut faire attention à notre consommation d'énergie. » Maintenant, on en a pris conscience. Et je pense que cette prise de conscience, elle est essentielle et que c'est pour ça qu'il faut la propager au sein des générations antérieures, mais également des générations futures, pour permettre à eux aussi de vivre dans un monde où il y a des ressources disponibles, dans un monde viable. Et pour ça, je pense qu'on a besoin des générations antérieures. Et donc, de ce fait, je ne veux pas rentrer dans un conflit de générations. Mais vous qui êtes plus raisonnable que moi, qu'est-ce que vous êtes prêt à abandonner ? Qu'est-ce que vous pensez est superflu dans votre vie qui vous permettrait d'être moins émetteur de CO2 que je ne l'ai été, par exemple ? Personnellement, moi, de ce que j'ai compris, c'est que la plupart de nos émissions carbone aujourd'hui, c'est dû à nos déplacements. Et typiquement, aujourd'hui, quand on voit qu'un billet pour aller à Barcelone, on peut le prendre en 2 secondes, pour partir 2 jours en week-end, ça, typiquement, je pense que ce n'est pas un effort surhumain à mener. D'accord. Je pense que c'est quelque chose qui est accessible à tous. Par exemple, pour l'instant, j'ai décidé que je ne voulais pas passer mon permis de conduire parce que je ne veux pas avoir de voiture, parce que aujourd'hui, c'est vrai que j'ai de la chance, je suis en région parisienne, je peux me déplacer en transport en commun. Ce n'est pas le cas de tous aujourd'hui sur tous les territoires. Alors, ce que tu dis est intéressant parce que je suis surpris du nombre de jeunes de ton âge, de votre âge, qui effectivement ne passent pas le permis de conduire. Alors, peut-être il y a d'autres raisons, des raisons idéologiques pour sauver la planète. De ma génération, moi j'ai dû passer mon permis de conduire à 17 ans, j'ai pas triché, hein. J'ai passé mon permis de conduire moto. Mais on était tous extrêmement pressés de passer le permis de conduire. Moi, ce que je suis prêt à abandonner, c'est la surconsommation de la société. C'est avoir accès à des richesses, des ressources qui viennent de l'autre côté du monde et qui, en fait, sont accessibles en un clic sur Internet. On en est arrivé à une interdépendance entre les États qui n'est pas bonne pour l'écologie. Alors effectivement, la mondialisation, je pense que c'est quelque chose de très important, surtout d'un aspect, d'un point de vue culturel. Mais je pense que, par exemple, la délocalisation de toutes les industries dans d'autres pays, c'est pas forcément la solution. Donc moi, ce que j'aimerais bien faire, ça serait justement arriver à changer ce système et à permettre de consommer plus localement. Ben, moi, c'est pour ça que je me montre pas trop critique et donneur de leçons, parce que quand j'essaye de réfléchir au quotidien ce que je serais prêt à abandonner, ben, je me rends compte qu'il n'y a pas tant de choses que ça. Et évidemment, il faudrait que je fasse des efforts, mais est-ce que je suis prêt à les faire? Ça, j'en doute. S'il suffisait de faire ça, la solution serait vite trouvée. Je pense que ce ne serait pas un problème. Non. Mais tu as raison. Ta réponse est réaliste, c'est-à-dire que c'est une réflexion à avoir au niveau de la société. C'est pour ça que la taxe carbone est bonne, parce que la réflexion, elle passe par le porte-monnaie. Si vous deviez envoyer un message à la jeune génération, à Victoria, Hugo, moi, ceux qui nous regardent, ce serait quoi ? C'est celui que l'enjeu, il faut traiter le problème ensemble, et pas en s'affrontant ou en affrontant. Alors, c'est ensemble entre les générations, mais c'est ensemble au niveau des pays, c'est ensemble au niveau des cultures. Voilà, donc c'est le message que j'ai envie de vous envoyer, qui est celui que vous m'avez fait passer et que j'accepte avec beaucoup d'humilité. Bonjour, je m'appelle Étienne Gis et je vous parle au nom de l'Académie des sciences qui organise ces petites vidéos que vous êtes en train de suivre sur les conversations sur le climat. Quand j'étais enfant, la science qui me passionnait, c'était l'astronomie. C'était pour moi magique de voir les Américains qui marchaient sur la Lune. Aujourd'hui, si j'avais 15 ans, c'est sûr, ce qui me passionnerait, ce serait la science du climat. Car il y a toutes sortes de sciences. Il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des mathématiques, tout y est. Et je trouve que la possibilité de mélanger toutes ces sciences aujourd'hui, pour des jeunes, pour leurs professeurs, c'est une opportunité extraordinaire. Je suis entouré ici par ces portraits de tous ces gens qui m'impressionnent beaucoup. Je vois le marquis de Laplace. Je vois Lalande, je vois tous ces grands astronomes du passé. Tout ça est passionnant, mais la passion d'aujourd'hui, je crois, c'est la science du climat qui offre toutes les possibilités à des jeunes et à leurs professeurs. Donc j'espère, je suis sûr, que les jeunes d'aujourd'hui peuvent se passionner pour cette science qui est un peu compliquée parce qu'il s'agit de comprendre ce qui va se passer dans 10 ans,
dans 20 ans, dans 30 ans, dans 100 ans. C'est tout à fait passionnant.